La poule et le diamant. Il était une fois dans une petite ferme, une poule nommée Clarabelle qui aimait picorer dans la cour. Un jour, alors qu'elle grattait le sol à la recherche de grains, elle trouva un brillant diamant. Clarabelle ne savait pas ce que c'était, mais elle le trouva joli et décida de le garder. Elle le cacha dans son nid, pensant que c'était juste une jolie pierre. Le fermier, Monsieur Dubois, remarqua que Clarabelle semblait très intéressée par quelque chose dans son nid. Curieux, il alla voir et découvrit le diamant. Monsieur Dubois savait que c'était une pierre précieuse et se dit qu'il pourrait la vendre pour beaucoup d'argent. Mais en regardant Clarabelle, qui le regardait avec ses petits yeux brillants, il comprit que la poule avait trouvé le diamant en premier et qu'elle le chérissait, même sans connaître sa valeur. Monsieur Dubois sourit et décida de laisser le diamant à Clarabelle. Après tout, se dit-il, le bonheur de Clarabelle vaut plus pour moi que n'importe quel diamant. Et ainsi, Clarabelle continua de couver son trésor, heureuse et insouciante de sa vraie valeur, tandis que Monsieur Dubois appréciait chaque jour la simple joie de voir sa poule et son diamant. Cette histoire nous enseigne la valeur de l'appréciation et du contentement.